Les oiseaux mouches sont gentils. Monsieur Martin. La richesse de la flore. 290. Monsieur Martin. Allongez-vous ici, je vais le chercher. C'est un médecin? Il va appeler les flics. Ils sont obligés de déclarer les blessures par balle. Mais non, c'est un ami de papa. Il n'y a pas d'ami de papa. S'il est médecin, il doit déclarer... Il n'est pas médecin, il est vétérinaire et c'est pas le genre à appeler les flics. Monsieur Martin? Monsieur Martin? Qui est là? Bonjour, monsieur Martin. Vous me reconnaissez? François Pignon. Oh, c'est toi, mon petit Georges. C'est gentil de venir me voir. Non, pas Georges. Moi, c'est pas Georges, monsieur Martin, c'est François. Georges, c'était mon père. J'ai besoin d'aide, monsieur Martin. Comment? Un de mes amis est blessé. Je vous l'ai amené, il est dans la salle de soins. Blessé, mais j'exerce plus depuis longtemps, mon pauvre Georges. Oui, mais il est très mal en point, je ne savais plus où aller, moi. Alors, s'il vous plaît, monsieur Martin, examinez-le, c'est urgent. L'examiner, je saurais plus. C'est quoi comme race? C'est pas un chien, monsieur Martin, c'est... Venez voir. Mais il va me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage, moi. Mais non, il est très propre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang. Je suis pas médecin, Georges, moi. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle? Il a avalé la baballe en jouant. Ça va, monsieur Martin? Fais aller, mon petit Georges. Oh là là, c'est chaud tout ça. C'est très chaud. Mais hein. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Doucement. Je vais peut-être l'amener ailleurs, finalement, monsieur Martin. Gentil. Vous entendez, monsieur Martin? On va pas vous ennuyer plus longtemps. Non, passe-moi l'alcool, mon petit Georges, c'est là-bas. Vous croyez que vous allez y arriver? Vilaine blessure, hein, très vilaine blessure. J'ai plus d'anesthésie, mon pauvre vieux, tiens. Mords-moi ça. Emmène-moi d'ici. Si! Faudrait mieux le piquer.